Rebonjour, on a dit que dans la parasha Ben Zor qu'on lira demain, le maftir, ça parle d'Amalek, cet ennemi qui nous cherche depuis toujours à nous éliminer, le petit-fils d'Esav. Essav, il avait un fils qui s'appelait Lipaz et Lipaz, il avait un fils qui s'appelait Amalek. Et quand on est sorti d'Égypte, Amalek, il marchait derrière nous, derrière les bénis Israël. Il prenait tous les necheshalim. Necheshalim, c'est les faibles. Mark, necheshalim. Non, Chet, shin, lamed, yud, Mem. Il attrapait attrapé tous ces faibles qui marchaient doucement, parce qu'ils marchaient comme une fille indienne, on va dire. Et les dernières, les dernières, c'était la tribu des Danes. Il les a attrapés. Et il leur coupait le, le, le orla propice, je crois en français ça s'appelle. Il coupait laurla de la Brit Mila. Il jetait vers le ciel, vers Hachem, pour énerver Hachem. Pour énerver Hachem. Ari Akadosh ha dit que le mot la racine c'est «nachash» et «mila». Prends le mot il y a deux «nachash» et «mila». «Mila» c'est la Brit Mila. C'est le prépuce qu'on coupe. Après qu'on a coupé le prépuce, qu'est-ce qu'on fait avec ce morceau-là? On a l'habitude de le cacher dans la terre, dans le sable. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu saches que tout le nien là des prépuces, il est venu à cause de qui? Parce que quand Hachem a créé Adam Arichon, il ne l'a pas créé avec le prépuce. De lui il vient ce prépuce-là. C'est à cause de la faute d'Adam Arichon. Akadosh il a créé Adam Arishon sans la sans le prépuce. Et le serpent, il est venu, il a réussi à faire glisser Chava et Adam. Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance. Et une des punitions qu'Hachem il a donnée à Adam, qu'il a eu le prépuce. C'est-à-dire que le prépuce, on l'a à cause du serpent. Et à Kadosh Baruch il a maudit les serpents en lui disant Tu vas manger de la terre. C'est pour ça qu'on prend le prépuce et on l'enterre dans la terre. Pour dire au serpent, serpents C'est-à-dire, c'est à toi. C'est à toi. Pour sortir en guerre contre Amalek, Moshe Rabbeinu, il envahit Yoshua Rabbeinu. Il faut comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu, il envahit à Rabbeinu. Il n'était pas guerrier. Pourquoi Yahushua Pour la simple raison on dit que Yoshua n'y faisait partie de la tribu d'Éphraïm. Ephraïm, c'est le fils de Yosef. Et Yosef a dit qu'on l'appelle Yesod. Et la Brite Mila, on l'appelle Yesod. Et pour sortir en guerre contre ceux qui ont abîmé le Yesod Amalek, il n'y a qu'un descendant de Yosef qui on l'appelle Yesod, qu'il faut frapper. C'est lui qui a abîmé le Yesod. Alors, c'est qui, c'est Yahushua? Yahushua, il est descendant d'Ephraïm. Ephraïm, Ephraïm c'est le fils de Yosef. Yosef, on l'appelle Yesod. La brite, Mila, on l'appelle Yesod. Amalek, il est venu abîmer le Yesod. Alors, c'est lui qui doit régler les comptes. C'est qui, Yahushua? Comme ça, j'ai trouvé dans le livre de Rabbi Tzadok à Cohen. C'est pour ça, est... Pardon, c'est pour ça, Moshe, il a envoyé. Joshua. Il y a une autre réponse que j'ai trouvée dans le livre Hadarz Kenimi Barley à Tosfot, qui dit Pourquoi mon cher Abbé nous, il a choisi choix de sortir en guerre Il dit pour la simple raison qu'ils il a fait jurer son fils Elipas d'aller tuer Yaakov, parce que Yaakov il lui a volé les droits Et Elipaz, il n'a pas voulu tuer Yaakov parce que Yaakov lui a enseigné la Torah. Alors il est, pas, il est parti demander conseil à sa mère. Elle s'appelait Timna. Et il lui a dit Maman, papa, ils savent, il m'a demandé d'aller tuer son frère Yaakov. Qu'est-ce que tu penses Et là, Timna a dit à son fils Mon fils, ton père, c'est un rachat. Ton père, il sait que il est plus fort que lui. Ton père, il fait il peut le battre, il peut le gagner. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ton père, il est lâche, il t'envoie toi, parce que c'est eux. Mais je te déconseille, mon fils, n'y va pas contre Yakov tu vas perdre, il va te tuer. Ton père, il a peur lui-même, il va pas contre Yakov. Alors, Esav, il est un peu embêté. D'un côté, il veut faire la mitzvah de Kibudorim, et d'un autre côté, il n'a pas envie de mourir. Qu'est-ce qu'il a fait il est pas, Il est parti directement chez Yaakov. Il a dit Yaakov, toi tu m'as enseigné la Torah, toi tu m'as donné des conseils, voilà, papa il m'a demandé de te tuer, je n'ai pas envie de te de tuer, mais d'un autre côté, je veux faire kiboudorim Alors Yaakov il dit à ani un pauvre, il est considéré comme Pardon. Eh oui, un pauvre, il est considéré comme un mort. Alors prends tous mes biens et moi je deviens pauvre et je suis considéré comme s'il si m'a tué, comme mort. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a fait. Et, et ça, il s'est rendu compte que son fils Elipaz, il n'a pas tué Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait Elipaz Il va voir son petit-fils. Le fils d'Elipaz, il s'appelait Amalek. Il va voir Amalek. Amalek, lui aussi, il est parti demander conseil à sa grand-mère, à Timna. Et là, sa grand-mère lui dit la même chose qu'il a dit à son fils. Et il lui a dit Attends, tu veux tuer Yaakov Tu veux tuer ses enfants Attends un peu. Quand ses enfants ils vont sortir d'Égypte, sur la route, tu sors et tu les tues. Et c'est exactement qu ce qui s'est passé quand on est sorti d'Égypte. Amalek il est venu nous tuer. Pourquoi Pour faire la mitzvah des Kibuzorim. parce que son père il lui a dit de nous tuer. C'est-à-dire qu'il a gardé ça pendant des années et des années. Il a gardé ça dans le cœur. C'est-à-dire que c'était cette famille-là, des gens qui faisaient honneur aux parents, quelque chose d'exceptionnel. Personne l'a honoré ses parents comme un ville a honoré. Regarde son petit-fils Elipaz. Pardon, pas Elipaz, regarde Amalek. Et aussi Elipaz. Ils ont voulu faire Kiboudorim. C'est-à-dire que, une des plus grandes mitzvahs qu'on a dans la Torah, c'est honorer les parents. Et c'est lui qui fait la mitzvah d'honorer les parents, personne ne peut contre lui. Mon cher rabbin maintenant, il doit sortir en guerre contre Amalek, et c'est le petit-fils d'Essav. Mon cher se dit, le petit-fils d'Essav lui aussi, il a fait Kiboudorim. Il était exceptionnel dans la mitzvah de Kiboudorim. C'est la plus grande mitzvah qu'il y a dans la Torah presque. Mon cher Abbénu, il avait peur. Mon cher Abbénu, il a dit ils ont des mérites. Cette famille, ils ont des mérites. Ils font Kiboudorim. Il le grand-père, il l'a fait avec Itzrak. Son fils aussi, Elipaz, il l'a fait. Amalek aussi, il a fait Kiboudorim. Mon cher Rabbeinu, il avait peur. Il a dit je perds la guerre, c'est sûr et certain. Alors, mon cher Abbénu, il s'est dit je suis obligé de choisir quelqu'un qui sera en guerre. Que lui aussi il a fait la mitzvah de kiboudorim d'honorer ses parents comme ça c'est équilibre, il y a un équilibre ici, c'est équilibré il y a, si a Amalek qui l'a fait kibud et il y a Joshua aussi qui l'a fait qui d'où on sait que Yoshua il a fait qui on dit le seul enfant qui a fait kiboudorim bien comme il faut c'est Binyamin Binyamin, jamais il a attristé son père. Il n'a il pas participé à la vente de Yosef. Il dit, mais Yosef, il a fait encore beaucoup plus qu'Ibboudorim que son petit-fils Binyamin. Comment Il dit, quand savent il est venu tuer Yaakov, Yosef, il savait que sa mère, elle est belle, Rachel. Et il a dit, si ça il voit ma mère comme elle est belle, il est capable de la kidnapper et partir avec. Qu'est-ce qu'il a fait? Yosef, il s'est mis de, devant sa mère, il l'a caché derrière lui, et il a protégé sa mère, et il a pris tous les risques, et sa vie lui tue. C'est-à-dire que c'est lui qui a fait le plus kiboudorim encore que Benjamin, c'est Yosef. Alors, mon cher Abinou, il dit seulement les descendants de Yosef, ils ont kiboudorim, comme il faut, il y a qu'eux qui peuvent sortir en guerre contre Amalek, et lui aussi, il a fait kiboudorim. Alors, qui sort de Yosef? Ephraim? Et qui sort d'Ephraïm C'est Yoshua. C'est pour ça, mon cher Abin à Yoshua, tu vas sortir en guerre. Le Malbim pose une question. Il dit Je ne comprends pas cette guerre qu'il y a entre les Israël et Amalek. Ceux qui ont provoqué cette guerre, c'est Amalek. Mais elle n'est pas compréhensible. Parce que pour sortir en guerre contre une autre nation, il y a cinq raisons. Et ici, entre Amalek et Béni-Israël, il n'y a même pas une seule raison. Regarde qu ce qu'il dit le, le Malvin. Pour sortir en guerre contre une autre nation, il y a cinq conditions. Il faut que tu sors, que tu aies un intérêt, tu veux conquérir euh, l'autre pays pour agrandir tes frontières. Alors tu sors en guerre, mais ici, chez Amalek, il n'avait pas de raison de sortir pour conquérir quelque chose qu'ils ont, les bénis Rêles, parce que les bénis Rêles, ils n'ont rien. C'est marqué Baderech. On était sur la route, on n'avait même pas un bout de terrain. Deuxième raison, quand tu sors en guerre contre un autre pays, parce que toi, tu as peur de l'autre pays, et tu sors en guerre pour te protéger de l'autre pays. Mais je ne comprends pas, il dit le Malbim. Amalek, il, est vu, il a fait 2000 kilomètres pour venir tuer les bénis Rêles. Alors, de quoi tu as peur de quoi tu as peur Normalement, tu sors en guerre contre quelqu'un qui passe à côté de ton pays et tu as peur qu'il va prendre le pays. Ici, Béni Israël, ils étaient à 2000 kilomètres. Troisième raison pour quand on sort en guerre, il dit le, ma le Malbim. Toi, tu viens m'attaquer, je me protège. Et ici, Béni Israël, ils n'ont pas parti agresser à Amalek. C'est Amalek qui est sorti vers le Béni Israël. Quatrième raison pourquoi on sort en guerre contre un autre pays, c'est pour montrer à l'autre pays notre force. Alors on sort en guerre face à face. Mais ici, Amalek, il est venu derrière, il n'est pas venu de face à face. Comme ça, c'est marqué dans la paracha. Cinquième raison pourquoi on sort en guerre contre un autre pays, quand tu veux forcer l'autre pays à accepter ta religion. Mais c'est marqué qu'Amalek il avait aucune religion, Yare Elohim. Alors pour quelle raison il a voulu faire la guerre à Amalek contre les Béné Israël? Quel intérêt il a? C'est la question de Malbim. Rav Elchanan Vasserman Zatzal il donne une réponse et il dit c'est marqué Milchama la Adonai ba Amalek qu'en réalité Amalek il a voulu faire la guerre contre Hachem. Il a voulu tuer Hachem. Mais comme ils ne peuvent pas atteindre Hachem, parce qu'Hachem, il est dans les cieux. Et s'ils pouvaient fabriquer des échelles pour monter au ciel, pour faire la guerre contre Hachem, ils auraient fait. Mais ils ne peuvent pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit pour le blesser Hachem, pour faire du mal à Hachem, il faut qu'on touche ses enfants bénis Israël. C'est pour ça qu'ils ont sorti en guerre contre nous quand on est parti recevoir la Torah. Il n'avait aucune raison parmi les cinq raisons qu'on a citées qu'Amalé qui sort en guerre contre nous. Rav Vassarman, Rav Elchanan Vasserman Zatzal, il dit Oui, la raison c'était qu'ils veulent faire la guerre contre Hachem. Et pour attrister Hachem, il faut faire pleurer leurs enfants, les bénis Israël. Et c'est pour ça qu'est-ce qui fait Amalek, qu'il attrape la dernière tribu des qui elle marchait doucement. Il leur coupait la brite là le prépice et il les jetait vers Hachem. Tu sais comment on appelle Amalek, même Rach et Hacher Regarde Rach dans la parasha et il dit Amalek il s'appelle la chaune micrée Par hasard. Par hasard, je crois, on dit en français. hasard ou par hasard. Le travail d'Amalek jusqu'aujourd'hui, c'est essayer de nous faire raciner en nom. Que Akadosh Baruch, ce n'est pas lui qui domine dans le monde. Et tout ce qui se passe ici dans le monde, ce n'est pas par miracle, ce n'est pas Hachem qui fait, c'est par la nature. Et que tout est hasard, par hasard. Et ça, c'est faux. Il faut qu'autant que autant es juif, tu admets et que tu mets dans ta tête qu'il y a la providence divine dans chaque chose. Que ce soit à travers la nature ou que ce soit des miracles. Les deux, c'est la même chose. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait. Amalek, pourquoi on l'appelait micré Parce qu'il disait que tout est par hasard. Ce n'est pas Hashem qui fait les choses. rabshim Shon Raphael Hirsch, Zatzal dit, écrit même Mem Koufrechei. Elle dit c'est les mêmes lettres quand tu déplaces les lettres Rak Me Hashem. Que de Hashem. Il n'y a pas de hasard. Même le mot par hasard il veut dire rak me hachem. Alors notre travail à nous, c'est d'essayer de comprendre et d'admettre et de transmettre à nos enfants que le hasard n'existe pas dans le monde. Tout c'est Hachem qui le fait. C'est Hachem qui contrôle, c'est Akadosh Baroucho qui nourrit, c'est Akadosh Baroucho qui guérit. C'est pas le médicament qui guérit, c'est marqué à P. Akadosh Baroucho, c'est lui qui guérit, Akadosh Baroucho, c'est lui les médicaments. Il n'y a aucun médicament qui guérit, il n'y a aucun médecin qui guérit. C'est à qui te fait gagner ta Parnassa. C'est qui te donne la vie. Tout celui qui essaie de gagner sa vie dans une façon qui n'est pas cachée. il est Amalek parce qu'il montre par là que qu'Hachem ne contrôle rien du tout. Qu'Hachem ne gère rien du tout. Et c'est exactement ce qu'il a voulu enraciner en nous, Amalek et Mahshimam. Qu'Hachem domine pas, Kadosh ne contrôle pas, Kadosh ne gère pas. C'est rapporté dans Barakot, a -puma de C'est-à-dire le voleur, avant qu'il vole, il prie à Kadosh Hu qui l'aide à voler, que la police ne l'arrête pas. Et il dit à Hachem Hachem si tu me fais traverser ce que je vais faire cette nuit en train de voler une vieille, je te promets que je te donnerai 20% pour la synagogue. Et prie, c'est bizarre. Si tu crois qu'Hachem, il existe et tu lui demandes qu'il était d'un volet, pourquoi tu lui demandes qu'il était à voler Demande-lui qu'il te dans la Parnassa avec abondance. C'est-à-dire qu'en réalité, tu ne sais pas est-ce que tu crois ou tu ne crois pas. Tiens, as un Safek. Et Safek, c'est la même valeur numérique qu'Amalek. C'est lui qui nous ramène des doutes, c'est Amalek. C'est lui toujours, depuis toujours, il court derrière nous pour nous faire glisser. Il ne veut pas nous lâcher. Et notre travail à nous, c'est quoi C'est de ne pas l'écouter, de savoir que tout ce HM qui le fait, c'est personne d'autre. Je t'embrasse et je te souhaite.